Lech Kowalski et les travailleurs de l'usine GMNS. Sur scène, merci. Venez, venez. Bonjour, messieurs, dames. Attends. Excusez-moi, messieurs, dames, il va falloir arrêter. Les applaudissements nous touchent beaucoup. Je suis le premier à prendre la parole. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Avant tout, avant que la salle se vide, je voudrais... Cannes, ouais, pour nous, c'est fabuleux, mais ce n'est pas les paillettes. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on vient des travailleurs, on vient de la métallurgie. Et avant tout, il y a des palmes d'or qui se donnent à Cannes. Et moi, voilà... Je fabrique, je suis un passionné de métal, et aujourd'hui, je voudrais offrir la palme d'or à Lech, mais la nôtre, la vraie, celle de la métallurgie. Merci. Voilà. Merci, Lech, pour ton travail, super. Pour Odile aussi, bien sûr, on n'oublie pas. Cannes is a really fabulous place, but it's for us, it's not glitter and glamour. I'm a passionate worker, and today we want to award the real Palme d'Or to Lech Kowalski. Merci. On va commencer un débat avec Lech et qui prendra la parole. Lech, pour commencer, en fait, qu'est-ce que tu as trouvé en fait, quand tu es allé pour la première fois dans l'usine? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce que tu as ressenti qu'il y avait de spécial, qu'il y avait dans ce moment de lutte? Qu'est-ce qui a déclenché le désir de ce film? What did you find the first time when you went the first time to this factory? What triggered? How did you feel when you went there for the first time? You know, I arrived in the factory at 8 o'clock in the morning. I remember it was 5 minutes before 8. And as we were driving to the factory, I turned my camera on. And I saw the workers coming in into the factory, and there was something about the energy there. They had the bomb at a distance. There's something there that just drew me. And then when I met the workers, Jan and the others, I knew immediately that there is something special here. And very soon after that, I decided to come back to La Souterraine and spend almost 2 years there with the tonnage and the editing. But I just want to say something, that the person who really cemented me to wanting to be in this, to make the film, and you saw the scene in the film when he talks about his grandfather, Charlot. La première fois que je suis venue à cette usine, il était 8h-5 et on était en voiture et j'ai allumé ma caméra. Et là, j'ai vu les ouvriers qui étaient déjà mobilisés, je les ai vus. J'ai senti tout de suite leur énergie avec voilà, cette bombe qu'ils avaient préparée. Et je me suis tout de suite sentie attirée. J'ai su immédiatement que j'avais envie de faire un film et j'ai décidé de revenir, donc de passer 2 ans dans cette usine. Et donc la personne vraiment qui m'a le plus décidé à faire ce film, c'est donc l'un des ouvriers. I just want to say this is the best prize I've ever gotten in my life. Voilà le plus beau prix que j'ai jamais reçu dans ma vie. Merci. 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 En faisant le film et en organisant les choses au montage, j'imagine, ou peut-être déjà avant, tu as évité ce piège de créer des protagonistes, ou de créer voilà, deux personnages opposés, identifiables. Tu as évité ce piège en voyant l'ensemble des travailleurs comme une communauté. Et je voulais voilà, savoir si tu pouvais nous parler de comment tu as construit, comment tu as travaillé ce concept. When editing and or maybe even when filming already, you avoided the trap of creating just a couple of protagonists. You saw this film, you made it an ensemble film, a community film. So can you tell us? Oui, this was pour moi très important. Sorry, it was really important from the very moment that I arrived to not just create like this fake Hollywood kind of hero, you know, with the two guys or the one guy who's going to change everything. It was really important for me to make a film about the entire, as many of the people as I could. So I spent a lot of time with many different workers and trying to understand, I mean, there's so much that I didn't use in the film because you can only make a film so long, but there's so much material that I filmed with people that was a way for me to get to know the people. And eventually, I decided to concentrate on the characters that I use in the film. But if you look at the film carefully, you can see that I made a very big effort to give as many people a voice as possible. Because without the group, nothing would have happened. It was not, I mean, of course, Vincent and Jan and a few other of the workers were really important to keep things going. But without the other workers, this was a communal situation. And without the other workers, this would never happen. Because they are the ones that gave the power to this what they did. Oui, c'était très important pour moi dès le départ de créer non pas un faux héros à la Hollywood, mais je voulais faire un film sur le plus de gens possible. J'ai passé énormément de temps avec beaucoup de ces ouvriers. Évidemment, au rush, et en termes de matériaux filmiques, j'ai énormément de choses, je n'ai pas pu tout utiliser, mais c'était important pour moi de prendre le temps de bien les connaître et de concentrer vraiment sur les personnes, sur les personnes en tant que groupe, parce que sans le groupe, il n'y avait rien, il n'y avait pas de film. Donc il y avait effectivement certains qui étaient un petit peu plus en tête sur le projet, mais c'était important pour moi de montrer cet ensemble, cette communauté. I just want to add one thing to it, because this is a celebration of cinema, and for me, aesthetics are really more important than anything else in cinema. And there's something that Eric Rohmer said, which I always remember. He said, good fiction films are also documentaries. And I would add to that, a good documentary is also a fiction film. And that's my attempt I always try to make my films to have this kind of, not just information, but something else, to make it a big story. Ici, on célèbre évidemment le cinéma et l'esthétique est quelque chose de très très important dans ma vie. Je me souviens d'une phrase d'Éric Rohmer qui disait « Une bonne fiction est aussi un bon documentaire » et je voudrais dire exactement la réciproque, qu'un bon documentaire est aussi une bonne fiction. Et donc, c'est ça, ça n'est pas que... Il y a aussi une histoire autour, pas que de l'information. Can I just say something? I would like now to, instead of answering questions, give it to the workers to talk, because I'll be doing a lot of interviews, but they only have one chance. They're leaving tomorrow, late tomorrow. So, Vincent. Comme ils partent tous demain, moi je fais des interviews, mais eux, c'est vraiment leur prise de parole est aujourd'hui. Je voudrais leur laisser la parole. Oui. Bon, bonjour à tous. Alors moi c'est Yann, je ne vais pas en dire beaucoup, mais simplement quelque chose. Donc moi, pour moi, sur l'estrade, il manque quand même quelqu'un d'important qui fait partie de notre famille et qui nous aide depuis plusieurs années. C'est Jean-Louis Bory. Jean-Louis, notre avocat, viens avec nous sur l'estrade, s'il te plaît. Viens, mon camarade. Odile. Allez, Odile. Odile, viens Odile, tu as fait un super boulot pendant 10 mois, allez, viens avec nous. Jean-Louis Bory, who is our lawyer. Voilà, je crois que ce combat, on n'aurait pas pu le mener de toute façon si on n'avait pas été tous ensemble et qu'on ne s'était pas serré les coudes depuis de nombreuses années, parce que vous avez vu une lutte qui a duré 10 mois, qui a été forte, mais qui a été constructive et dans le respect de chacun. Mais on lutte depuis plus de 14 ans, parce qu'on a notre 3e redressement judiciaire. On a été racheté il n'y a pas très longtemps par un groupe qui s'appelle GMD, à la tête M. Martineau. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de crever, mais on n'en est pas loin, puisque les engagements des constructeurs PSA et Renault, qui étaient à hauteur de 25 millions d'euros avec des équipementiers divers, on a fini 2018 à 12 au lieu de 25, donc il en manque 13. 2019, c'est à peu près pareil, il en manquera autant. Qu'est-ce que sera de 2020, on ne le sait pas. Donc on vit toujours avec une épée de Damoclès sur la tête, et ça c'est insupportable. Après, il y a quand même des choses qu'il faut souligner, c'est que le gouvernement, qui devait avoir des moyens exceptionnels pour nos camarades licenciés, mais Vincent vous en parlera, il n'y a rien. Comme d'habitude, le gouvernement se fout pas mal de la gueule des salariés, et notamment dans les petits départements et les petites régions. Et en plus de ça, M. Bruno Le Maire, qui disait si bien qu'il ferait respecter les engagements, puisque les engagements ont été signés à Bercy devant M. Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux, aujourd'hui il n'y a rien. Et aujourd'hui on continue misérablement à tenir cette boîte, sans directeur, sans responsable des ressources humaines, et sans personne à la comptabilité. Donc ça, c'est pas viable. Avant de passer le micro à moi... Je vais traduire. Je vais juste traduire. Excusez-moi. We couldn't have gone on in this struggle without the whole group that we are. This is our third liquidation. We were taken over a few months ago by a group called GMD, but still it's very precarious. We're not dying, but we're not that far. So what's the future for us? It's like we have a Damocles sword on over our heads. The government promised exceptional measures, and today we have nothing. The Minister for Economy also promised things, and today we are working without a head. We are working without a chief of staff. So for us, it's still a very precarious situation. Donc je finirai par un dernier petit mot. Cette force, si on a été costaud comme ça, c'est aussi comme aujourd'hui, grâce à vous, quand on est rentré dans cette salle, parce que c'est toujours un peu compliqué de se battre, à la fois pour nos familles, mais pour tous ceux qui nous entourent. Donc pour tous nos copains qui ont été licenciés, on ne baissera jamais les bras, on se battra jusqu'au bout, il arrivera ce qu'il arrivera, c'est pas grave ça, mais on démontrera qu'à tous ceux qui sont au gouvernement et tous ces financiers que la lutte, on la mènera. Et jamais on lâchera, ça c'est clair. It is thanks to you all that we were able to get on this stage today, because it's still very emotional for us. It's still very complicated to struggle, but we still want to do it for our friends who were laid off, and we want to tell them we won't let go, ever. Oui, simplement, ce que je vais rajouter à ce que dit Yann, c'est que le combat, nous, on le continue, on ne l'a pas lâché, même depuis la reprise. On ne l'a pas lâché, ce n'est pas pour ne pas le lâcher, simplement par dogme. On ne l'a pas lâché parce qu'il y a une réalité qui est une réalité sur nos territoires où on ne retrouve pas de boulot. On ne retrouve pas de boulot actuellement. Depuis presque 2 ans qu'on a été licenciés, il n'y en a que 40 qu'on retrouvait sur les 157. Il y en a 9 qui ont créé des entreprises ou des micro-entreprises. Et puis, il y en a 20 qui vont partir en retraite ou qui sont retraitables, enfin qui vont partir en retraite avant la fin de la période de chômage. Et au mois de septembre, il n'y aura plus d'indemnité de chômage pour les moins de 50 ans. Ils vont se retrouver dans une merde noire. Et c'est pour ça qu'on continue le combat. On le continue de manière juridique. Parce qu'on a assigné PSA et Renault sur... maître, ça y est, j'ai encore perdu le terme. Jean-Louis... délit d'ingérence, non. Responsabilité délictuelle. Excusez-moi, mais c'est pour ça qu'on l'amène. Hein. Voilà, c'est eux qui sont responsables de la situation. Yes, we want to say that we haven't let go because this is still a reality in our territories. People cannot find work. Out of the 150 who were laid off, only 40 have found work again. And come this September, they will have no severance pay anymore. So that's why we are also taking legal action against Peugeot and Renault today, thanks to our lawyer. Et on la continue de cette manière-là en essayant d'avoir les indemnités qu'on aurait dû avoir. Parce que là, actuellement, on a vu Chrono financer le Festival de Cannes. C'est très bien, la culture pour nous, c'est essentiel, c'est important. Mais il faut qu'on vive aussi. Ils ont décidé de casser les industries sur notre territoire. On en est une illustration. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, nous, ce qu'on a écrit, c'est une proposition de loi qu'on a amenée à l'Assemblée nationale. Et on a des petits livrets, elle est accessible à tout le monde. De notre coin paumé de la Creuse, on s'y est mis, on s'y est attelé, avec l'aide de notre expert, de notre avocat. Bon, on l'a sorti, on l'a présenté à l'Assemblée nationale, on a rencontré plusieurs groupes parlementaires, et normalement, ça devrait faire, enfin, ça va faire l'objet rapidement, alors dans le temps politique, hein, quand je dis rapidement, d'une proposition de loi à part entière. Tout ça, on le fait pour que ça n'arrive pas aux autres, ce qui nous est arrivé. As I said, many of us will lose our benefits soon enough. We saw when we arrived here that Renault is a financial support of cinema, which is great, but we want to keep struggling so that we can have some support as well. That's why we wrote this bill of law with our lawyer. We printed it out and we're submitting it into Parliament shortly. Pardon. Excusez-moi. Les deux dernières choses que je souhaitais dire, c'est vous demander une minute de silence pour. On a deux de nos camarades qui sont décédés au cours de deux camarades licenciés décédés au cours de ces deux années qu'on a traversées. On souhaitait faire publiquement une minute de silence en leur hommage. We would like to respect a minute of silence for two of the workers who have died in this process of these 2 years. Merci. Et comme vous avez bien compris, pour nous, le combat n'est pas fini. Le film de Lech, on est là pour en faire la promotion et pousser les choses le plus loin possible. Donc, ce qui est clair que pour nous, on lâche rien. On lâche rien, les gars? On lâche rien! Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. On a pris. Merci beaucoup.